Imhotep Bekanéfer, à tous les membres de l'Académie de la culture noire kémétique, à tous les étudiants de l'Académie de la culture noire kémétique, à tous les membres Kouche Kamit Congo, à tous les médias, Bekanéfer, et soyez les bienvenus dans cette reprise de Raoué Tepu. Raoué Tepu, pour la toute première fois, toute la première de toute cette première que nous lançons ici, installée dans les Émirats arabes, dans la ville de Sharjah. Le Raoué n'était pas commencé il y a quelque chose comme deux ans et demi. Elle a été suivie et célébrée pendant beaucoup de temps en Angleterre. Et aujourd'hui, comme vous, beaucoup d'entre vous le savent, je ne suis plus installé en Angleterre. Je suis allé dans les Émirats arabes dans la ville dans le royaume de Glasgow, dans la ville de Glasgow. Et c'est d'ici que nous allons commencer par notre première Raoué Tepu, la reprise, parce que depuis un certain temps, je n'étais plus présent, c'est le Raoué Tepu. Et voilà, aujourd'hui, c'est la première fois, j'ai déjà les notes qui arrivent, ok? Et c'est la toute première fois que nous nous retrouvons encore aujourd'hui. Depuis quelques temps, les Raoué Tepu, on n'a plus cette chance de célébrer les Raoué Tepu de ce vendredi. Pourquoi? Je vais commencer par ça. Tout simplement parce que, quand nous sommes rentrés dans l'année 2018, j'ai commencé à donner certaines lectures. Ceux qui m'ont suivi, ceux qui me suivent, savent très bien de quoi j'ai parlé. Nous avons parlé de ce qui était en train d'arriver. Nous avons annoncé ce qui était allé d'arriver. Nous avons annoncé plus ou moins, non, pas avec les phrases, mais j'ai dit que quand on rentrait dans l'année 2019, au tout début, passage 2018-2019, j'ai dit que c'était la dernière, les tout derniers, disons, fin de l'année de Noël, fin de l'année que les gens allaient fêter. Et j'ai dit que l'année allait être dramatique, difficile, et que les choses que nous aurons vues seront des choses qui difficilement, si on nous le disait en 2017, nous aurons cru. Et nous sommes passés dans cette phase-là. Et arrivé au bon milieu, au centre de cette tempête, j'ai voulu me retirer. Me retirer parce que je l'avais déjà annoncé que j'étais en train de sortir de l'Europe. Que les temps arrivés en Europe deviendraient extrêmement difficiles et que ma sortie de l'Europe correspondrait à beaucoup de choses, c'est-à-dire marquerait la fin d'un temps et le nouveau d'un autre. Un autre difficile à définir, dramatique à comprendre, et aujourd'hui nous sommes dans cette phase-là. Et alors, je voulais me retirer pour aller plus en profondeur dans l'introspection, comprendre, voir encore plus, être en mesure de voir encore plus, de comprendre, parce que tous, vous le savez, tous les grands chamans, tous les grands spirituels vous ont dit qu'après 2021, en fait, toutes les visions montraient rien du tout, il n'y avait rien, c'était les néants. Et même les calendriers Maya avancés a toujours montré qu'à la fin de 2021, eh bien, on ne savait plus ce qui allait arriver. Les grands visionnaires, ceux qui ont fait des visions, tous sont convenus, sont arrivés à la même conclusion. Après,